Salut tout le monde, c'est ZDRK. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur GTA V pour vous parler d'un tout nouveau DLC qui va sortir le mardi 20 octobre, c'est-à-dire dans 5 jours. Et ce DLC là s'appellera Lowriders et moi c'est le DLC que j'attends le plus parce que j'attends ce DLC depuis plusieurs années, depuis le début de GTA V. J'attends un DLC pour avoir de meilleures customisations pour nos véhicules. Et là, c'est le DLC tant voulu qui va, comme je vous l'ai dit, s'appeler Lowriders. Et en fait, ce DLC va consister à tuner vos véhicules plus que jamais sur GTA. Ça va être un truc de ouf. Donc c'est Rockstar qui vient juste de relayer l'information en disant que le nouveau DLC Lowriders sortira sur PS4, Xbox One et PC. Malheureusement, comme il l'avait dit précédemment, il n'y aura plus aucun DLC sur Old Gen. Franchement, moi pour ma part, je trouve qu'ils ont abusé parce que là, je pense que c'est l'un des meilleurs DLC qui vont sortir sur GTA V parce qu'ils vont rajouter vraiment beaucoup de customisation pour le tuning. On va pouvoir faire de l'hydraulique avec nos véhicules. On pourra customiser l'intérieur de nos véhicules. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Ils ont aussi dit qu'avec le menu d'interaction, on pourra ouvrir le capot, le coffre. Donc en gros il passe à une étape supérieure par rapport au tuning sur GTA V et c'est vraiment un truc de fou. On aura vraiment cette fois-ci de bons petits vinyles sur nos véhicules. Il y aura vraiment la masse de choses. Là je vous montre à l'écran les photos qu'ils ont relayées avec. Ça va être un truc de fou. Moi en tout cas j'ai super hâte parce que rien qu'à regarder les images, c'est pour ma part, je trouve le meilleur DLC parce que, comme vous le savez, moi j'adore les véhicules sur GTA V, les customiser, les modder et tout, c'est mon kiff. Et là, ça me fait vraiment super plaisir qu'ils ont ajouté ça parce que ça va vraiment être un truc de dingue. En tout cas, voilà, c'est vraiment pour vous avertir que ce DLC va sortir dans 5 jours. Je pense que je vais faire une vidéo présentation, je pense faire aussi des véhicules modés avec ça parce que je pense qu'il y aura des glitches. Après là, dans les jours à venir aussi, je vous présenterai d'autres véhicules modés parce que vous inquiétez pas, je n'arrête pas la série. Et donc voilà, après, il y aura aussi de nouvelles missions, de nouveaux vêtements avec des nouvelles coupes de cheveux, et des nouvelles armes et plein d'autres choses. En tout cas, voilà, ce DLC va bientôt faire son entrée sur GTA V Next Gen. Et moi, j'ai super hâte. Vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo pour vous présenter ça pour les joueurs Old Gen pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. En tout cas, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai hâte, un truc de ouf parce que ce DLC, il va être tout simplement génial pour customiser nos véhicules, pour faire de l'hydraulique et tout. Ça sera un truc de dingue. En tout cas, moi j'attends ça avec impatience. Et dès que ces véhicules sortiront, je ferai un rassemblement sur GTA Online avec vous, mes abonnés. J'en prendrai peut-être une quinzaine avec tous vos véhicules customisés avec la nouvelle mise à jour. Et je ferai une vidéo là-dessus en montage avec une bonne musique. En tout cas, voilà, ça j'en parlerai peut-être plus tard. Mais en tout cas, moi, j'attends avec impatience ce DLC parce qu'il va être énormissime. Et donc voilà, encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous attendez ça, vous aussi, avec impatience. En tout cas, voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas de mettre un petit pouce bleu. Ça me fera vraiment super plaisir de votre part. Et n'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter, sur Twitch et sur Facebook. Les liens se trouvent en description de la vidéo. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitch sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde. Bye.